C'est quel monsieur qui vous a d'abord demandé d'entrer dans la voiture? Pardon? Le général de l'armée de l'air. 87, 87, 39, 27, 28. Et les chaînes là, c'est pourquoi? Oui, les chapelets là. Pardon? Mais vous sortez d'où? Je veux savoir, vous sortez d'où? Vous connaissez le propriétaire de la voiture? C'est qui? Le propriétaire de cette voiture? Pardon? Descendez alors de la voiture, descendez. Descendez de la voiture. Je suis propriétaire de cette voiture. Comment vous vous retrouvez dans ma voiture? Je ne vous connais pas, je ne comprends pas. Vous expliquez ça comment? Quel monsieur? Qui a la cordonnerie ici? C'est lui qui vous a demandé d'entrer ici. Non, j'ai amené mon sac là-bas. Il vient me quitter des palises. Bon, après, lui, là, là où il y a des attentes là. Il n'y a rien de cohérent à ces déclarations. Moi, je ne comprends pas. Rien de cohérent. D'abord, pardon. Non, ça veut dire qu'il faut qu'on l'amène. Parce que là, il faisait bah, il faut qu'il, oui, il faut qu'il puisse. Ce qu'on sait, parce qu'il voulait voler la voiture. Soit il veut voler, soit il veut mettre. Soit il a mis quelque chose dans cette voiture. Il faut l'identifier et qu'il soit retenu et responsable pour oui. Tout problème que tu auras. Oui. Que ce soit il faut qu'on aille à la gendarmerie. Oui. Appelle-moi Dany. Appelle Dany. C'est pas sérieux. Hey, comment vous vous retrouvez dans la voiture de quelqu'un et une voiture qui est fermée? Non, ce n'est pas ça qui est important. On va monter à la gendarmerie, vous allez expliquer ce que vous faites dans ma voiture. Il n'y a pas de problème. Vous allez vous expliquer là-bas. Parce que je ne comprends pas, je ne sais pas ce que vous faites dans ma voiture. Comment il a fait pour se retrouver ici? Il avait dit qu'il a les clés, il détentait les clés. Non, ce n'était pas fermé. Comment il a su que ce n'était pas fermé? Voilà. Non, ça ne peut pas...